Je m'appelle Clara, j'ai 15 ans, et en ce moment je fais des rêves étranges, anormaux, mais qui me paraissent tellement réels. Je ne suis pas faussarde, mais j'ai souvent l'impression d'être observée, et je commence à voir des choses partout. J'ai vraiment peur. J'ai vu dernièrement un reportage sur des chercheurs qui avaient trouvé un gros diamant noir. Arrivé au laboratoire, le diamant a explosé, laissant échapper une fumée noire opaque. Tous les scientifiques ont été tués. C'est depuis que mes rêves ont commencé. Qui va pas, je me sens observée, je fais des rêves bizarres, ça va pas. Ouais, non mais tu vois, ça arrive à tout le monde. Moi aussi en ce moment je suis un peu stressée, je fais des rêves bizarres, mais bon, ça va passer. Non mais c'est sérieux, je me sens observée, je me sens suivie. Bon écoute, on en reparle dans 5 minutes, je vais aux toilettes. Passons à présent aux faits divers. Nous venons d'apprendre une nouvelle disparition. Un adolescent de 16 ans aurait été enlevé cette nuit dans la ville de Langon. Notre envoyé spécial est sur place. Léa, avez-vous de nouvelles informations? Oui Marie, je suis à Langon, là où a été vu pour la dernière fois Jules Castagnier, adolescent de 16 ans. J'ai avec moi trois proches. Bonjour. Bonjour. Qui était pour vous Jules Castagnier? C'était notre frère. Avez-vous remarqué un comportement étrange chez votre frère? Oui, j'ai remarqué un comportement étrange. Il était comment, là? Il entendait des voix. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, il avait très peur aussi. D'accord, je vous remercie pour ces informations. Marie, je vous tiendrai au courant dès que j'ai des nouvelles informations sur cette affaire. Merci Léa. Si vous avez des informations supplémentaires, contactez le 00 883 472. Bonne journée.